En 2013, Thomas Hurier a fondé 1083, la marque de denim Origine France Garantie. Origine France Garantie, c'est une certification qui permet de valider qu'un maximum d'étapes de fabrication d'un produit sont faites en France. Par exemple, pour un jean, il faut qu'il soit au moins 50% fabriqué en France. Dans notre cas, c'est 97%, donc on passe ce critère-là. Et que deux étapes fondamentales soient faites en France, la confection et le tissage. Pour fabriquer ces produits, c'est ici, à Rue-sur-Moselle, dans cette usine de filage et de tissage, qu'il se fournit. Ça, c'est notre matière première. C'est du coton bio qui vient de Tanzanie. Le coton bio vient sous cette forme de balle comprimée. Et une balle comme ça pèse à peu près 200 kilos. En France, il reste actuellement 4 filatures de coton. Et sur ces 4 filatures de coton, il y a 2 filatures qui peuvent filer du coton bio. Et lorsque l'entreprise a connu les difficultés, Thomas, qui ne voulait pas perdre son fournisseur, s'est porté acquéreur. On a déposé le bilan le 8 mars 2017. Et c'est pour ça que j'ai pris mon bateau de pèlerin et j'ai été chercher des acteurs qui pourraient m'aider à reprendre cette activité-là. Donc avec le directeur d'usine, on s'est parlé pour s'associer, pour ne pas perdre ce savoir-faire. Et donc on a fait une proposition de reprise de cette activité auprès du tribunal de commerce qui a choisi notre projet pour redémarrer l'activité. On a des rapports un peu privilégiés. Thomas a monté sa boîte et lorsqu'il avait commencé, ben, il était tout petit. Et étant tout petit, il n'intéressait personne. Et moi, je suis allé le voir et je l'ai suivi. Et je l'ai même formé un petit peu. Je lui ai appris ce que c'est que du tissu, comment qu'on le faisait, etc. Donc, on a une relation privilégiée. Et dès qu'il a appris que la société avait des difficultés, il m'avait toujours dit qu'il serait intéressé à m'aider. Nous, on a vraiment une vision du Made in France au maximum. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est la filière, c'est les gens, c'est les emplois, c'est les savoir-faire. On n'avait pas du tout anticipé de devenir filateur-tisseur un jour. Seulement, poussé par nos clients qui commandent de plus en plus de jeans, et quand on a vu aussi le savoir-faire de ses partenaires, ça n'avait aucun sens de ne pas essayer au moins de sauver cette usine. Nous avons repris 28 personnes et nous allons signer la semaine prochaine 6 contrats à durée indéterminée. Ça veut dire qu'en totalité, on va faire tourner l'usine avec 34 personnes pour l'instant. Voilà ce que vous allez découvrir si vous vous rendez au salon MIF Expo. L'entrée est gratuite si vous vous préinscrivez sur Internet. Sinon, vous acquitterez un droit d'accès de 10 euros qui vous sera intégralement remboursé lors de votre premier achat.